Bonjour à tous. Encore deux très belles journées qui vous attendent avant, avant l'arrivée d'un temps agité pour ce week-end. Nous avons actuellement de l'air chaud qui remonte de l'Europe du Sud sur tout le pays. Donc, on va souvent dépasser les 30 degrés, mais également cette goutte froide qui va arriver sur le territoire et créer un conflit de masse d'air avec un temps perturbé. Donc, mais également une chute des températures. On va perdre en moyenne de 5 à 10 degrés entre vendredi et samedi. Par exemple, à Paris et à Agen, on passera de 31 degrés l'après-midi à 23 degrés pour samedi. Alors, c'est après on retrouve donc de très bonnes conditions avec un léger voile du Pays basque en remontant jusqu'au nord, un ciel plus chargé sur le nord Pas-de-Calais et la Picardie, quelques orages qui vont se déclencher en fin d'après-midi sur les Pyrénées ou encore les Alpes et la montagne corse. Les températures seront élevées au-dessus des moyennes de saison sur tout le pays, jusqu'à 34 degrés attendus à Agen, 29 à Paris, 25 degrés à Lille. Ce sera donc la minimale. Demain matin, une très belle matinée ensoleillée avec un léger voile près des frontières du nord-est, des bandes assez dense sur l'Aquitaine ou encore la région Midi-Pyrénées, quelques entrées maritimes également autour du Golfe du Lion et dans l'après-midi, le soleil va dominer sur tout le pays et en fin d'après-midi, vous allez voir un ciel un petit peu plus chargé qui va arriver donc sur la Bretagne, prémisse d'une nouvelle perturbation qui va nous toucher dans la nuit de vendredi à samedi. Pour l'heure, en matinée, vous retrouverez des températures assez douces, descendant quand même jusqu'à 12 degrés du côté de Nevers ou Aurillac jusqu'à 21 degrés à Nice et dans l'après-midi, ça restera élevé 32 de degrés à Lyon, c'est la maximale. 31 à Paris, 24 degrés à Brest, c'est la minimale. Ainsi que sur le Pays basque. Beaucoup d'instabilité donc attendue dès la journée de samedi avec des pluies localement soutenues, des bouches du Rhône en remontant jusqu'à la Franche-Comté. Beaucoup d'instabilité euh, sur tout le pays. Un ciel de traîne à l'arrière dans le nord-ouest, donc avec des averses là aussi localement orageuses, avec le vent qui va souffler de secteur nord-ouest jusqu'à 60 km par heure. Vous retrouverez pour la journée de dimanche cette instabilité dans le nord-est. Avec toujours des pluies localement soutenues de la côte d'Opal en allant vers la Franche-Comté. À l'arrière, le ciel sera encore bien chargé avec quelques averses autour de la Méditerranée. On retrouvera de très bonnes conditions avec le vent qui soufflera jusqu'à 70 km par heure. Mais pas d'évolution au niveau des températures. Lundi, euh, moins de précipitations sur la France avec beaucoup de nuages des Pyrénées en remontant jusqu'au nord-est. Excellente journée à tous sur France 2.